Salut à tous, donc je vous fais cette vidéo pour faire un petit retour sur le programme d'Anthony Ivar. Donc je l'ai pris personnellement au mois de décembre, c'est-à-dire il y a 6 mois, parce que j'en pouvais plus. Je passais des nuits entières à... En fait, je suffoquais parce que j'avais tellement le nez bouché avec mes allergies. Je suis allergique aux acariens, aux animaux tels que les chats, les chiens, etc. Et c'était surtout les acariens qui foutaient le bordel. Et en fait, j'arrivais plus à respirer, quoi. C'était insoutenable, ce qui fait que comme je pouvais pas respirer par le nez, les nuits, je respirais que par la bouche, mais avec les allergies, ma bouche s'asséchait, ce qui fait que je me réveillais toutes les 15 minutes, la bouche complètement sèche, j'arrivais plus à dormir, j'accumulais du coup une fatigue. Et un jour, en pleine nuit, j'ai pété un câble, enfin, j'en pouvais plus, j'étais exténué. Et donc, j'étais sur YouTube, je suis tombé sur une des vidéos d'Anthony, parce que je voulais pas faire la médecine traditionnelle qui consiste à se désensibiliser en bouffant des acariens jusqu'à ce qu'on soit pas plus allergique. Je me dis que, enfin, j'étais assez persuadé qu'il devait y avoir quelque chose d'un petit peu plus respectueux pour le corps que de se forcer à manger quelque chose dont on est allergique. Je me dis, mais c'est quoi cette technique de barbare? Et donc voilà, je suis tombé sur la vidéo d'Anthony Ivar. J'ai un peu analysé, j'étais un petit peu méfiant en me disant, bon, les formations sur Internet, on ne sait pas toujours très bien quoi. Mais il avait quand même un discours qui me plaisait beaucoup. C'est-à-dire que, il partait du principe qu'en changeant ton alimentation, en changeant tes habitudes, eh bien, ton corps allait réagir autrement et donc ne plus avoir besoin de générer des allergies. Ça me parlait assez bien, ça me semblait assez logique et beaucoup plus cohérent que de bouffer des acariens. Et donc, j'ai rejoint son programme et j'étais très motivé parce que je suis très, déjà de base, je suis assez discipliné, mais surtout là, j'en pouvais plus. Il fallait vraiment que ça change. Et donc, j'ai appliqué à la lettre son programme, c'est-à-dire j'ai changé mes habitudes alimentaires, enfin, j'ai une prise de conscience sur beaucoup d'erreurs que je faisais. Et en fait, c'est un truc qui se fait sur les mois. Donc là, ça fait 6 mois que j'ai fait ça, que j'ai opéré ce changement alimentaire. Et en 6 mois, alors c'est pas encore totalement guéri, mais c'est incomparable dans le sens où avant, c'était systématique. C'était tout le temps, tous les jours, allergie, tous les soirs, carnage. Dès que je rentrais dans le lit, je savais que j'avais le nez complètement bouché. Aujourd'hui, ça a quand même bien changé. C'est-à-dire que ça arrive, on va dire, un jour sur trois que j'ai le nez un peu bouché le soir, mais c'est beaucoup plus soft. C'est-à-dire que ça ne me réveille plus la nuit. Je dors parfois, je vais me réveiller une ou deux fois sur la nuit, mais pas 50 fois comme avant. Je passe beaucoup de nuits tout à fait correctes, des bonnes nuits où je dors bien, où je me repose. Et peut-être une fois tous les 15, 20 jours, je vais avoir une mauvaise soirée, où je vais vraiment être, où ça va être un peu comme avant. Mais c'est 1000 fois plus espacé, ce qui fait qu'en termes de sommeil, je me sens nettement mieux. De façon générale, bah, le fait de mieux manger au-delà des allergies, bah, ça donne une toute autre énergie. Enfin, voilà, enfin, je me sens bien. Je veux dire, je trouve ça bien de façon générale de mieux manger. On a tellement de la sale bouffe au jour d'aujourd'hui que c'est bien d'avoir d'intégrer le plus tôt possible des bonnes habitudes alimentaires. Ce qui fait que je m'y retrouve au niveau des allergies, je m'y retrouve au niveau de mes nouvelles habitudes. Ma femme a décidé de me suivre là-dedans malgré qu'elle n'avait pas d'allergie. Elle en est très contente aussi, parce qu'au final, on a une nourriture beaucoup plus saine et donc forcément, on se sent mieux. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous hésitez, si vous avez aussi des allergies, eh bien, je vous recommande la formation d'Anthony Ivar, qui je trouve est très impliquée. Il faut le dire aussi, au-delà de la formation, il m'a appelé plusieurs fois, il a fait un vrai suivi, il s'intéresse réellement à l'évolution. Ça, c'est, j'avais déjà pris quelques formations sur Internet dans d'autres domaines et je n'avais jamais eu ce type de suivi. C'est-à-dire que ça se voit qu'Anthony est passionné par ce sujet, qu'il aime réellement accompagner les gens et qu'il cherche réellement à avoir un résultat. Et pour moi, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il cherche pas juste à vendre sa formation et puis tiens, débrouille-toi. Non, derrière, il veut s'assurer que ça aille mieux pour toi. Et en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Et donc, bah, c'est assez agréable d'avoir ce type de suivi. Voilà, donc si vous hésitez, franchement, je vous le conseille et je pense que vous serez de toute façon gagnant. Voilà, ciao!